C'est dans le strict respect des gestes barrières que l'ancien vice-président de la République et président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu les présidents et coordonnateurs nationaux des associations affiliées à son parti politique. Conduite par le secrétaire national chargé des relations avec les associations, partis et groupements politiques du MLC, Dongoye Momobutu, cet échantillon de la conférence des présidents et coordonnateurs nationaux des associations pro-MLC a reçu le mot d'encouragement de leur mentor politique. Heureux de réaliser que les dirigeants des associations ont compris que le fonctionnement d'un parti politique n'est pas seulement l'affaire d'un individu, Jean-Pierre Bemba Gombo a invité cette crème représentative des associations à étendre l'implantation de leur structure sur toute l'étendue du territoire national. Il a par occasion tenu à faire savoir à ses hôtes que l'on ne fait pas la politique pour s'enrichir ou bien pour se faire de l'argent, mais pour le bien-être du peuple. Aussi a-t-il invité les présidents et coordonnateurs des associations affiliées au MLC d'exploiter les discours du MLC pour convaincre davantage dans la mobilisation qu'ils ont à faire. Il est de notre devoir d'encourager les associations, il est de notre devoir aussi de les aider à aller de l'avant. Raison pour laquelle, dans le but de les encourager, nous les avons emmenés pour que le président puisse coller les noms au visage. Donc voilà, c'est dans cette optique présentée et qu'ils puissent communier avec leur leader, Jean-Pierre Bemba. Nous avons une histoire, nous avons un discours, nous avons l'un des principaux acteurs de la pacification du pays, de la restauration de la démocratie dans notre pays. Nous avons une histoire sous la pacification, la restauration de la sécurité. Renseignez-vous, le MLC a pacifié l'Ituri béni. Vous ne manquez pas de discours pour mobiliser et convaincre nos compatriotes, a déclaré Jean-Pierre Bemba. La rencontre de ce jour entre le chairman du MLC et les représentants des associations affiliées à son parti a constitué un baume de motivation pour ces derniers d'écouter